Nous sommes ici sur la Côte d'Amour. En 1936, beaucoup de Français et leurs enfants découvrent ces plages. Car cette année-là, pour la première fois en France, les salariés ont droit au congé payé. Les Français ont maintenant au moins 5 semaines de vacances. Le soleil des mois d'été, le beau sable et la mer attirent toujours des centaines de vacanciers sur cette plage de la côte atlantique. Les enfants jouent sur la plage pendant que leurs parents prennent le soleil. D'autres vacanciers, un peu plus actifs, font du bateau, pêchent sur la digue ou se promènent avec leur famille. Les vacances au bord de la mer, voilà bien le choix traditionnel de la plupart des Français. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller pêcher? Oui, ben prends la épuisette dans la cabine. Voyez, il va... Non, allez pêcher, la mer est trop haute. Est-ce que c'est bien comme plage pour les enfants? Très bien, voyez, d'ailleurs, il n'y a presque que des jeunes enfants, des petits. Parce que depuis quelques années, les planches à voile, on les envoie à Valentin, l'autre plage. Alors, on n'a plus de grands, on n'a plus que des, vous voyez, la jeune génération, là. C'est bien pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme activité, les petits, ici? Oui, ben, ils ont le club, et puis, bon, ben, la mer, la plage, le sable, ils se baignent beaucoup quand il fait beau. Depuis longtemps, on trouve sur les plages françaises des clubs pour enfants, bien appréciés par les petits et bien pratiques pour les parents. Celui-ci est ouvert tous les jours de 10h à midi et de 14h à 17h. 2 personnes sont là toute la journée pour organiser les jeux et surveiller les enfants. Un beau sable, des activités nombreuses. Cette plage semble idéale pour les enfants. Mais elle n'est pas parfaite. Vincent et sa famille y viennent pour la première fois. Vous allez profiter de la plage, vous l'aimez bien cette plage? Pas trop celle-ci. Pourquoi? Il y a quand même pas mal de mouches, je trouve, qui se promènent. Il y a les algues qui sont quand même tout le temps sur le bord. La plupart des vacanciers sur cette plage sont venus en famille, mais pas tous. Qu'est-ce que vous cherchez dans une plage? Qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce que vous préférez? Le calme. Donc il y a trop de monde ici? Voilà. Oui, oui. Des familles, trop de gosses? Voilà, beaucoup trop. Donc la prochaine fois vous irez où? Ailleurs, pour en découvrir une autre.